Après sa prestation au FESPAM 2023 à Brazzaville, l'artiste musicien Kevin Buendé va visiter la scène internationale de Paris. C'est en présence de la presse congolaise que le leader du groupe Patrou des Stars l'a annoncé. Il va venir pour ses gens, le groupe Patrou des Stars, et il va rencontrer cette personne qui fait moindre. Nazali est très 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 sûr et confiant que mon conseil vous ira très bien. Et nous avons lancé un message à la diaspora que au Sénégal, le groupe est à Congo, Brazzaville, et à Robéta, à Poto. Ils ont eu l'occasion de manifester pour l'entrée de l'Union, en gouvernement, pour arriver au concert en encore. Nous, on va contester. On est des artistes. C'est notre job, c'est notre travail. On va pour travailler et représenter le pays. Ça, franchement, les autorités doivent voir ces problèmes-là. Mais je suis quelqu'un de très positif et. On est bien organisé avec l'association Mouinda, est très bien organisé. On aura des visas, beaucoup de visas. Et on ira en France, on reviendra. Et voilà. Mathieu, wow. Pour le représentant de l'association Mouinda, qui sponsorise ce concert de Paris, cette prestation de l'artiste congolais est d'ordre caritatif. D'un artiste renommé international, mais originaire de notre pays, évoqué de telles initiatives, juste à vouloir reverser les bénéfices pour appuyer les œuvres caritatives et les œuvres de préservation de l'environnement. J'avais gardé ça pour la fin, mais je vous rappelle que le 18 décembre, les fonds nous permettront de planter à Yé, dans le département du Poule, après Kikélé, dans la zone qui est réservée dans le cadre du planting d'arbres. Nous allons planter une forêt, planter des arbres pour préserver notre forêt. Et c'est la participation sociale et environnementale de l'artiste. Sur ce, je m'incline éventuellement à cette grande vision de l'artiste qui est là pour aller. Ce concert du groupe Patrou des Stars à Paris interviendra dans le cadre de la sensibilisation contre le VIH-SIDA.